C'est quoi ce truc? Aujourd'hui, on ressort le lecteur de cassette et on retourne dans Amanda the Adventurer 2. Un énorme merci à tous les membres hors de la Super Max Family. Bisous. Hey, comment allez-vous les amis? Moi c'est Max, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Amanda the Adventurer 2, la démo vient de sortir. Là, à l'instant, je vais la faire. J'ai envie d'avoir vos réactions, j'ai envie de voir le jeu. Je suis très impatient de savoir. On adore Amanda the Adventurer. On va essayer de voir un petit peu les secrets, les trucs comme ça. Si ça vous plaît bien sûr, n'oubliez pas, explosez les likes. Allez-y, explosez si vous êtes content du retour d'Amanda. Et abonnez-vous hein, pour ne rater aucune vidéo de la suite. Dès que le jeu sortira, on fera l'aventure complète. C'est parti, on y va, let's go. Ça y est, nous sommes dans le menu de Amanda the Adventurer 2. C'est incroyable, on a la vieille télé qui est là, le show d'Amanda qui est en train d'être rejoué avec des artefacts et des bugs, et trois options, on va faire commencer, c'est parti. What? Qu'est-ce que... Il y a la flèche du menu du truc... Oh! Attendez, on est en 3D. Waouh, c'est joli. On est dans une sorte de bibliothèque. Recyclage de livres, oui, bien sûr. Les arbres. On est dans une garderie. Dehors, c'est bizarre, je vois des choses, mais là, je vois des immeubles. Ok, c'est des immeubles. On est à Paris? On dirait Paris, un peu vite fait. Bon, je ne sais pas. Extincteur, ici, il y a un tourniquet à manga. Ouais, je crois. Ou à agenda, je sais pas. Agenda, Amanda. Il y a quelqu'un dedans? Non, j'ai vu un reflet, ça m'a fait bizarre. Ici, on a le petit bouton. Coucou, KPL, mascotte, Wooly. Salut, Wooly. On a la machine HP. Non, LP. LP, la machine, la photocopieuse. On a des livres chelous. Ok. Plein de livres, hein, quand même. Waouh, plein de livres. Je peux pas... Alors, je peux m'accroupir. Je peux pas courir. Il y a des livres par terre. Qui c'est qui n'a pas rangé? J'ai été une adolescente. Ok. Très très bien. Nous avons une salle de lecture. Waouh! Une salle de lecture. C'est quoi? Skycrapper? Oh, un livre! What? Il y a écrit un truc dedans. L-E 5. D'accord. Il y a un 5. Bon. Je pense que c'est des livres. Oh, il y a une map monde. J'avais ça quand j'étais petit, vous aussi. Bon, c'est pas le propos. J'essaie de me rassurer parce que l'ambiance de Amanda the Adventurer, on connaît. Oh, le lapin, regardez. Coucou, le petit lapinouni. Ok. Bon, il y a plein de choses, hein. C'est assez creepy. Il faut... Il y a Wooly qui nous dit de lire. Oui, c'est très important, hein, de lire. Et on a Amanda aussi qui nous dit de lire. Alors, on n'est plus dans l'ambiance des cassettes, on est dans l'ambiance des livres. Ah, oh, bah si. On a la machine à... Oh, ça veut dire peut-être qu'il y a une cassette quelque part. Youhou. Alors, attendez, il faut que je trouve la cassette, mais je crois que je vais... Oh, un autre livre. Hop, je peux prendre le livre ou pas? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, 8. Ah, c'est des traits! Alors attendez, tac, 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 8. Donc le dernier chiffre, c'est le 8. Ici, on a. Le 5. LE5. Je sais pas pourquoi il y a LE5. Mais on a un 5. Et ici, on a un 8 à la fin. Donc, on va essayer de trouver d'autres livres. Peut-être qu'il y aura un endroit aussi pour débloquer quelque chose, hein, évidemment. C'est pour ça qu'il y a un code. Généralement, dans les jeux vidéo. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Non, mais par contre, regardez, le logo, il est bien fait, il brille. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Non, allez, distributeur à eau. Ça, c'est aux États-Unis, c'est partout. Si vous avez été aux États-Unis, vous les avez vus un peu partout. Hop, il n'y a rien. Alors, le bureau. Oh, il y a un ordinateur allumé, c'est parfait, ça, c'est parfait. Bonjour, l'ordinateur. Bookworm. Hello, je suis Wendy Worm, votre assistant personnel. Scannez un livre en utilisant la scanette pour voir l'historique. D'accord, donc là, je peux utiliser rien du tout. C'est pas grave, voilà. On a un livre ici qui dit quoi? JP6. JP6, et on a un mot qui dit « Hello Margaret, j'ai trouvé une vieille cassette dans les retours des livres. Je n'ai pas regardé la cassette, mais j'avais espoir que tu puisses regarder la cassette quand tu pourras. C'est dans le cabinet verrouillé. Hein. Tu te rappelles du code ?» Oui, bah non. Aussi, tu vas avoir besoin de regarder un petit peu les livres. Certains étaient un petit peu abîmés. Je jure que c'est le 5e que je reçois cette semaine. Je les ai mis de côté, mais je pense que le gars hein, les a mis accidentellement dans la librairie sans regarder, dans la bibliothèque en fait. Hein. Ça m'embête de te demander ça, mais si tu as un moment, est-ce que tu pourrais regarder dans la bibliothèque et voir si tu pourrais les trouver? Il y a un historique de ces livres dans le database. Utilise ça pour les trouver. Bah alors, pourquoi je peux pas utiliser? Ah, alors attendez, peut-être que si je prends un... Ah, mais il y a un livre là. Bim! Allez hop! JP6. Est-ce que je peux scanner? Non. Alors, il y a un 6. Regardez, il y a un JP6. Je vais les poser là. Donc là, c'est JP6, LE5. Donc il y a un 5, il y a un 6. L'autre, ça se terminait par un 8. Quoi ce bruit? Ah, il y en a un autre ici. C'est lui qui est tombé? Je l'avais pas vu tout à l'heure.
Ah, il y a un petit scan là. Ok, ok. Alors attendez, est-ce que... C'est quoi ça? Je peux utiliser... Non, c'est pas ici. Je vais scanner le petit... Ah, là, regardez, j'ai trouvé la scanette. Là. Coucou la scaninounette. Bip. Alors, celui-ci... Ah, voilà. Regardez. On a un historique ici de trucs. Bim. Est-ce que celui-là, du coup, il a quoi comme historique? Bip. Voilà. JP, JP, JP6. Je vois pas... Ah, JP. C'est le dernier. Ok. Donc, JP6. Donc, on a un 6. Ici, l'autre. Attendez, je vais trouver l'autre. Je vais... Ah, là, il y a un livre aussi. Bonjour, je l'avais pas vu. Salut, salut. Bim. Là, il y a 3. DS3. Mm-hmm. Et ça fait quoi si je scanne celui-ci? DS. Daily Shulbal. 3. Hmm. Ok. Bah oui, mais c'est quoi le code? C'est-à-dire... Donc, il y a un 3. Attendez, attendez. J'ai vu un 3. J'ai vu un 6. J'ai vu un 8 et j'ai vu un 2. Mm-hmm. Donc, attendez, on va résumer. Je prends ces livres-là. Donc là, on a un 5. Et on va voir. Ah, regardez. Ah, ça se voit qu'à la lumière. Parce que tout à l'heure, j'en avais vu un. J'ai cru qu'il n'y avait pas de code. Attendez. On va scanner celui-ci. LE. Error. Le livre est endommagé. D'accord. Donc, on a un 5. On a un 3. On a lui qui n'a rien. Donc, on a un 5. On a un 3. Et on a un 6. 5, 3, 6. Et le dernier là-bas, je vais aller le récupérer. Donc, c'est le 8. Hein. 5, 3, 6, 8. Je sais pas si c'est dans cet ordre-là. On va voir. Bim, bim, bim. Voilà. Et là, il est pas endommagé. Je l'ai pas scanné. Donc, j'ai... C'est quoi ces bruits? C'est des livres, ils tombent. Vous avez vu tout à l'heure là-bas? Attendez, je vais voir. Il y a un livre, il est tombé là, tout seul, comme par hasard. Qui c'est qui me fait ça? Ah non, mais il était déjà tombé celui-ci. Bon, bah il n'y a pas de... Ok. Donc, il y a du 5, du 3, du 6 et du 8. Bah écoutez, on va voir si c'est un truc à 4 chiffres. C'est ici. Ouais, ok, on va essayer. 5, 3, 6... Je vais aller par là, hein. Ok, et 8. Ah, je l'ai eu, c'est bon. 6, 3, 5, 8. Ok. Et on a la cassette qui s'appelle Amanda, The Adventurer. Let's plan a trip. Donc, ça veut dire organisons un voyage. Super, un voyage vers l'enfer, un voyage vers l'horreur. Oui, plutôt, on va aller mettre la cassette. Puisque bah, dans Amanda, The Adventurer, vous le savez, il faut mettre les cassettes dans les machines à cassettes. Appelez magnétoscope. Bim, boop, oui. C'est parti pour Amanda, The Adventurer. 2. Ah, bonjour. Ah. Wooly est tout noir. Bonjour. Amanda, The Adventurer. On adore. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ça brouille. Oh. Hi, friends. Hello, les amis. Je suis Amanda. Est-ce que vous avez déjà voulu partir loin? Très, très loin? Eh bien, on peut. Super. Il y a un cochon qui est là. Qu'est-ce que t'as? Au moins, dans notre imagination, on peut. Mais pourquoi, Amanda? Avec le train magique. Oui. On va prendre le train magique. Vous pouvez, si vous pouvez visiter n'importe qui dans le monde, qui visiteriez-vous? On va dire Amanda. Amanda. Tu penses vraiment que tu peux faire ça? J'adore rêver en plein jour tous les endroits où j'aimerais aller. Tous les endroits où on peut aller. Oh là, ça bug au niveau de la cassette. J'ai peur. Hein. Planifions un voyage. J'ai fait des photos de tous les endroits dans lesquels je veux aller. Ok, donc on a la tour Eiffel pour 2 dollars. Un autre truc pour 2 dollars. Quoi? Mais waouh! Il fait si sombre ici! Est-ce qu'on devrait ouvrir les rideaux ou allumer la lampe? Mais je ne sais pas. Allez, ouvre les rideaux. Ouais, vas-y. Oui, il fait jour, c'est joli! Regardez! Ah, c'est bien mieux! Maintenant, planifions un voyage vers l'enfer. Il y a 3 endroits où j'ai envie d'aller avec mon train magique aujourd'hui. Oui, c'est quoi? D'abord, j'ai envie d'aller voir la tour Eiffel. Ok. Bah, la tour Eiffel, c'est là. On va aller à Paris d'abord, avec le train magique! Mmh. On dirait que le ticket pour aller à Paris coûte 2 pièces. Et je vais regarder ce que j'ai dans ma banque. Oh, pauvre petit cochon. Quel est le meilleur moyen d'ouvrir le cochon? Je pourrais retirer le bouchon ou je pourrais l'exploser.
Non, retire le bouchon. Qui bouchon? Oh, t'es pas drôle. Mais Amanda, t'es toujours dans la violence, hein, ça va pas. Il faut te calmer, il faut que t'ailles voir quelqu'un pour régler ce problème. Voilà, c'est bien. Et maintenant, tu fais tomber des pièces. Tu secoues, voilà, tu vois que ça marche. T'as des pièces, non? Mais la violence, Amanda! Pauvre cochon, il t'a rien demandé! Non mais où? Comptons les pièces ensemble. 1, 2, 3, 4, 5! On apprend à compter avec Amanda. J'ai 5 pièces. C'est plus qu'assez pour aller à notre première destination. On a juste besoin d'enlever 2 pièces. Est-ce que tu peux les compter? Oui, hein, je pense que je peux les compter. 1, 2. Bravo, Amanda. Elle a des doigts bizarres, hein. Il lui manque un doigt, non? Elle avait que 4 doigts. Bon, l'endroit suivant... J'aimerais aller à l'endroit suivant qui me fait penser à Gretchen. L'île des poupées mortes. Où est-ce que je vais trouver ça? Les poupées mortes... l'île des poupées mortes... je sais pas. Là! Oh! Non, c'est pas ça. Planifier ce voyage va prendre une éternité avec toi, n'est-ce pas? Là, on dirait que quelqu'un a besoin de réviser ses connaissances culturelles. Bon, bah alors là. Là? Là. Oh oui! Notre arrêt suivant est Mexico City. Un ticket pour Mexico City coûte 3 pièces avec notre train magique. Super! Oui, bah on n'a plus de pièces. Bon, dans tous les cas, ce ticket coûte 3 pièces. Alors, bah voilà, 1, 2, 3. Super, elle a des doigts, j'aime pas du tout sa main. Vraiment, il lui manque un doigt, hein. Bon. Oh non, c'est toutes les pièces. Et il y a d'autres endroits que j'aimerais visiter. On a besoin de plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, tu vas travailler. Oh, il y a des petites poupées qui sont apparues. Je pourrais vendre certains de mes jouets pour avoir plus de pièces. Lequel va me rapporter le plus de pièces? Alors, on a l'ourson, le... Ah, moi, je dirais le truc, là. La... Oui, le coq, Monsieur Rooster. Quelqu'un m'a donné ça quand j'avais peur et que je me sentais vraiment mal et ça m'avait fait rire. Alors, j'espère qu'il va faire rire quelqu'un d'autre. bien sûr, Amanda. Je savais qu'il fallait prendre cet objet-là. Oui, on a gagné 3 pièces grâce à Monsieur Rooster. Eh ben, c'est super. Il y a un truc vraiment menaçant dans ce truc, hein. C'est vraiment chelou, hein. J'adore apprendre des choses historiques sur mes voyages. Ah, où est-ce que je peux aller pour en apprendre plus sur Jack l'Éventreur? C'est à Londres, c'est là, c'est sûr, mais ça coûte 4 dollars. Donc t'as pas l'argent. On va à Londres! Bien sûr, mais t'as pas assez. Un ticket pour Londres, c'est 4 pièces. Bah oui, Amanda, je te l'ai dit. Et j'en ai que 3. Oui, oui, Amanda. Je ne sais pas où est-ce que je vais avoir plus de pièces pour mon voyage. Bon, bah, autant aller nulle part. Mais non, Amanda, on peut aller déjà aux, aux deux premières. Attends une minute. J'ai une pièce dans ma poche. Oui, bravo. Maintenant, j'en ai 4. Et bah, voilà. Donc, on fait Paris, Mexique. C'est qui, ça? C'est qui, ça? Mais ça fait peur. Il y a un raton laveur chelou, là. Oh, un rat ou je sais pas quoi. Mais laisse, Amanda... Mais, comment on fait? La lampe? Comment on fait? On dirait une belette ou je sais pas quoi. Glaçon. Mais je sais pas qui c'était. Elle dit qui c'était? Mais je sais pas. Il allait prendre mes pièces. Voilà, maintenant on en a 4. Donc on va à Paris, Londres. Non, Paris, Mexico et Londres. Bah, on en a 4 hein, pour aller à Londres. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4. Bravo, Amanda. On apprend à compter. Oh, c'est l'heure de prendre mon train. Vas-y, avec Gretchen, la poupée. Voilà, tu donnes les pièces à Gretchen? C'est bien, bravo. Et maintenant, tu montes là-dedans. Le seul problème, c'est que c'est un rail qui tourne. Non, d'accord. Elle est complètement folle, Amanda. Chut, chut, ne lui dites pas. C'est fun, j'imagine. Quoi? VE1, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que... Bonsoir. Drôle de cassette, hein. Drôle de cassette. Je peux pas récupérer ça et je peux pas faire ça. Bon. C'est quoi ce truc? Bonjour. Oh, une autre cassette. Merci. Oui. Ah, trop aimable. Regarde-moi, regarde-moi. C'est écrit partout sur la cassette. Allez, hop.
Du coup, on te regarde. Qu'est-ce que c'est? It gets awfully lonely in here at night. Oh, elle a dit qu'elle se sentait seule la nuit. There's a legend that there is a special. Il y a une légende qui dit que. In these woods. Il y a quelqu'un qui est enterré it dans ces bois. Me think about what? Trop d'infos là. Trop bon ça donc. I know which one you like. The blue one. On aime la bleue. Il y a le raton laveur là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout bugué. Ça fait peur. Salut. Je ne devrais pas parler à propos d'eux. Hello. Je suis Amanda. Tu ne m'as pas aidé du tout. Tu devrais trouver quelque chose de différent. Mais... Et là, on voit une télé. Dans la télé. On a tous un peu peur la nuit, elle dit. Oui, bah surtout moi avec toi, hein. On est près d'elle, hein. Il y avait un monstre à la fin, vous l'avez vu? Préparez-vous pour une aventure. Automne 2024? Mais on est en... On est à peine en été 2024, mais ça va être loin. Amanda The Adventurer 2. Waouh. Bon, bah c'était le prélude, hein. Le jeu promet, hein. Je pense qu'il va y avoir d'énormes révélations. Il y a eu un œil là dans l'angle de la télé, c'est génial, c'est de la démo, etc. Bon bah écoutez, ça a l'air incroyable. Dites-moi ce que vous pensez des théories, tout ça sur Amanda, la suite, l'histoire et tout. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas avant de partir, laissez un énorme pouce bleu également. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Et regardez une autre vidéo délire de Max, bien sûr. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.